Hello tout le monde, c'est Mio. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir ensemble quelques figurines dans des boîtes en blind box. Donc nous avons ici plusieurs styles. Donc on a de l'Ancient Legend, Zodiac Series, Yoki, Gemstone Prince, Nancy et Pajamas. Alors pour les Pajamas, donc on a donc ça s'appelle Laura. Il y aura 12 designs, donc 12 personnages différents, plus une cachée. Donc voilà, je vous les montre rapidement, mais en vrai, je ne vais pas trop les regarder parce que j'ai pas envie de me spoiler. Ensuite, on a Nancy. Donc Nancy, pareil, elle est vraiment... j'adore ce design. Et pour celle-ci, il y a 12 aussi personnages à collectionner et un secret également. Ensuite, on a Yoki, donc Gemstone Prince. Donc, pour ceux comme moi qui aiment les pierres précieuses, vous allez être servis parce que là, bah, on a plusieurs styles. Donc, alors, je ne les connais pas toutes par cœur, mais bon, pareil, il y a 12 personnages avec un petit secret. Et voilà, ils sont vraiment magnifiques. J'adore vraiment ce genre de petites figurines. Voilà. Ensuite, on a la Zodiac Series. Donc là, c'est ce petit personnage avec du coup aussi 12, bah, les 12 signes du zodiaque, hein, bien sûr. Et alors là, par contre, ne me demandez pas ce que c'est le dernier parce que je ne sais pas du tout. Il y en a un qui est secret, je ne sais pas ce que ça peut être puisqu'il y a bien les 12 signes du zodiaque. Et pour finir, il y aura Ancient Legends. Alors ça, franchement, j'ai trouvé ça super beau. Rien que l'image de présentation est magnifique. Le petit cheval avec le petit bonhomme, j'adore. Et du coup, on a donc tous ces personnages. On a 4 et un cinquième secret, même si on peut voir un peu ce que c'est. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. J'en ai 2 de chaque. Et aujourd'hui, on va en prendre... enfin, on va pas tout faire d'un coup parce que bah, ça fait beaucoup. Je vais faire 2 vidéos, je pense. Et aujourd'hui, on va commencer par ces deux-là. Voilà. Alors, par quoi je commence? Allez, le zodiaque. Je pense que... ouais, le zodiaque. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour cette première boîte, voyons ce que l'on va obtenir. Hop. Alors, voyons voir qui se cache à l'intérieur. Alors, je ne suis pas très douée. Hein. Et alors, normalement, il y a une petite carte comme donc dans les anciennes boîtes que j'avais déjà ouvertes. Et à l'intérieur, en fait, il y a la petite carte qui va dire quel personnage on a. Donc, on va éviter de se spoiler. Alors, du coup, donc, ça vient de chez Pop Mart. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, blind box tout blanc. Hop. Hop. Alors, qui est-ce que j'ai? Alors, hop, je vais voir, il y a quoi? Ah oui, il y a aussi, donc ils ont des petits accessoires, d'accord. Voilà ce que ça donne, donc notre petit Sagittaire avec son joli arc, il est magnifique d'ailleurs. Donc, bah, je trouve que vraiment les couleurs se marient bien ensemble. J'adore la teinte de sa peau, son petit chapeau, enfin ses cheveux, je pense, en nuage avec... un emoji pas content, les petites cornes. Et non, vraiment, son arc, il est vraiment magnifique. Voilà, donc, nickel. Ensuite, alors, quel sera notre deuxième signe? Voyons voir. Hop, hop. Alors, de quel personnage il s'agit? En tout cas, je le trouve méga beau. Je sais pas de quel signe c'est. J'aime beaucoup, du coup, le dégradé qu'il y a aussi dans ses cheveux. La petite couronne est sympa. C'est en plastique, je suis beau. Ah, c'est la Vierge! Regardez, il y a le tatouage de la Vierge. C'est juste magnifique. Et alors, lui, il est sur ses genoux, donc il n'y a pas besoin de socle. Il tient tout seul. Hop, nickel! Voilà. Et donc bah, les deux sont magnifiques. Ils ont un teint foncé, j'adore.
leur petit smiley sur les petits chapeaux ou cheveux, je sais pas, mais je trouve ça trop chou. Et voilà les cartes. Donc les cartes du Sagittaire et de la Vierge. Donc avec franchement un décor magnifique. On peut voir les constellations. Je trouve ça vraiment super beau. J'adore les cartes, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, série suivante, donc les Yoki Gemstone Prince. Franchement, j'ai hâte de découvrir lesquels on a. Et alors, c'est parti. Moi, je veux voir, je suis pressée. Alors, voyons voir le personnage. Oh, mais il est trop beau! Alors maintenant, découvrons la petite pierre précieuse. Oh, mais c'est joli. Hop, alors ça va là. Voilà, les amis. Donc, notre petit personnage à la Goldstone. Donc, il s'agit de la pierre d'or, je pense. Il est magnifique. Regardez la beauté. La pierre est brillante. Il a une jolie petite couronne, son œil brille, les oreilles brillent plus que tout le reste du corps, il est vraiment magnifique. Voilà, donc il est en train de tenir sa petite pierre précieuse et j'adore. Et pour finir, le dernier personnage pierre précieuse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Franchement, peu importe, j'aime tous les personnages. Ok, alors. Waouh, il est trop beau. Donc, sa petite pierre, hop, voilà, c'est de la tourmaline, si je dis pas de bêtises. Voilà, les amis. Il est pas magnifique avec ses oreilles qui brillent autant que la pierre. Et c'est donc. Ouais, c'est bien de la tourmaline, je me suis pas trompée. Donc voilà, la petite carte qui va avec. Il est vraiment très très beau. Donc j'aime bien toutes les couleurs ensemble, ça va bien. Et même sa petite couronne est mignonne. Voilà les amis, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc si dans la première série, Sagittaire ou Vierge, lequel de ces personnages vous a plu. Dans la deuxième aussi, donc la pierre gold ou la pierre tourmaline, lequel de personnages vous a plus plu. Aussi, activez la petite cloche, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Dites-moi si vous voulez que je continue cette série, en tout cas, moi j'aime beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce bleu et enfin, abonnez-vous!